Monsieur Merlin Vouvou, bonjour. Bonjour Madame Joël Combe. Comment vous allez? Je vais bien. Le samedi 11 mars 2023, nous avons vu l'opposition politique congolaise marcher, particulièrement vous, vous étiez là. Quel était le message clé? Madame, le message est très simple. Le message était de dire, pas Félix Tshisekedi, lui il a déjà commis ses erreurs, ses fautes, nous les concédons. Mais nous avons voulu passer le message à travers le monde, que les Congolais ne sont pas prêts à remettre en question leur souveraineté. La souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. C'était ça le message. Nous avons deuxième message, c'était de dire à l'EAC, nous ne comptons pas sur eux. Parce qu'ils ont démontré leurs limites, ils ont montré qu'ils ne sont pas là pour aider les Congolais à sortir de cette crise, à résoudre cette crise. Ils sont là pour faciliter l'occupation de notre pays. C'était ça le message clé. C'était très simple. Mais ce que nous n'avons pas compris, je vais dire, je vais paraphraser le président Martin Fayulu. Si le militant de l'IDPS était intelligent, ils allaient se joindre à nous. Mais eux, nous avons vu, ils nous ont combattus au lieu de combattre l'IAC. Bon, quand cela ne tienne, le message a été passé. Apparemment, vous êtes entretué parce que nous avons vu dans une vidéo l'honorable Mike Nkebaï être menacé. C'était par qui? Les CIDE, c'est un parti de la citoyenneté. Qui dit la citoyenneté, dit un bon comportement, une bonne manière de voir les choses, une bonne vision. Donc, je ne crois pas que c'était les militants de l'ICIDE. D'ailleurs, nous étions infiltrés. Au niveau de la 10e rue, déjà, nous avons arrêté quelqu'un qui a poignardé un militant de l'opposition. Mais en le cherchant, il a fui vers le siège de l'IDPS. Donc, nous avons été infiltrés. Madame, vous devez savoir aussi que la masse est difficile à gérer. Il y a eu plus de 300 000 personnes. Personne ne pouvait contrôler personne. Merci Dieu, merci. Il n'y a pas eu des incidents graves. Mike Mukebaye se porte bien. Vous avez suivi les tweets du président qui a compati avec Mukebaye. Donc, nous n'avons pas besoin que le pouvoir en place pour se récupérer cela. D'ailleurs, si le pouvoir doit récupérer notre position, de dire non à l'EAC et des incidents mineurs, comme dirait au journalisme. Donc c'était un chien écrasé. Merci beaucoup, Monsieur Merlin Vouvou. Parlons situation sécuritaire. L'ONU, via les conseils de sécurité, demande à la République démocratique du Congo de trouver une solution politique. Qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, c'est ça la raison de notre manifestation du samedi dernier, 11 mars. C'était de dire que notre souveraineté n'est pas négociable. Allez dialoguer avec qui? Dialoguer avec le M23, j'ai attendu le rumeur que Félix est déjà, les émissaires de Félix, c'est qu'ils sont en négociation au niveau de Luanda avec le M23. J'ai dit non, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais les États-Unis ne vont jamais négocier avec l'Al-Qaïda ni l'État islamique. De négocier avec qui? S'il faut négocier ici à l'intérieur avec les couches sociales, la classe politique, pour trouver solution à nos problèmes, là nous sommes d'accord. Mais négocier avec le M23, nous avons dit que le M23 c'est le Rwanda. Comment nous allons négocier avec un État agresseur? Pourquoi les États-Unis et le Conseil de sécurité ne pousseraient pas l'Ukraine à négocier avec la Russie? Parce qu'ils savent que la souveraineté de l'Ukraine représente aussi la souveraineté européenne. Comment elles ne veulent pas négocier la souveraineté de l'Union européenne, mais ils veulent que nous puissions négocier avec, remettre en question notre souveraineté. Non. Le Congo va s'imposer comme un État. Le Congo va récupérer sa souveraineté. Nous allons nous battre jusqu'à la moelle épinière pour récupérer notre souveraineté. Mais en tout ça, cette facilité, la faiblesse ici, c'est à cause du manque de leadership de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi souffre de leadership, d'un leadership transformationnel, éclairé, ce qui pousse les étrangers à chercher à trouver solution à nos problèmes. Or, en réalité, c'est nous-mêmes qui devons répondre à nos problèmes, trouver solution. Bon, quand cela ne tient, les Congolais vont continuer à se battre jusqu'à ce que nous allons récupérer notre souveraineté, notre dignité, pour qu'à la prochaine fois, ces genres de décisions émanent de nous-mêmes. Mais ils ont raison. La solution d'un État souverain dépend de la souveraineté de cet État, même. Ce n'est pas les États-Unis qui vont résoudre notre problème. Ce n'est pas la France. Nous le disons, Martin Fayulu le dit, est-ce qu'il fallait seulement que ça puisse venir de ces fameux conseils de sécurité? Fayulu l'a dit combien de fois ici? Sessanga l'a dit. Mukwege l'a dit. Travaillons pour notre souveraineté. Et la souveraineté d'un État, la puissance d'un État, se mesure par la force de son... la qualité de ses forces de défense. Notre armée. Réhabilitons notre armée. Mettons des moyens. Organisons-la. Vous allez voir que nous aurons du respect. Raison pour laquelle les États-Unis
Les États-Unis votent des budgets. Ils ont un budget de l'État, ils ont un budget militaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent, tout le monde le sait. L'Europe a augmenté le budget militaire de chaque État membre. Créons une armée, organisons-nous, donnons les moyens à notre armée, nous serons respectés. Mais attendre que la solution, un État extraverti ne prospère pas. Un État extraverti ne prospère pas. Félix a rendu cet État, notre État, un État extraverti. Lui-même, c'est un extraverti. Son groupe, son entourage extraverti. Ils vont trouver quelle solution? La solution viendra que du Congo et des Congolais. Là, ils ont raison. Un peu comme l'a dit l'Angola, le président angolais a proposé au président de la République qu'il y ait dialogue, soit une négociation entre lui et l'ancien président Joseph Kabila, mais surtout l'opposition, la classe politique congolaise. Mais comment est-ce que l'Angola va nous proposer des dialogues avec Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila fait partie du problème. C'est comme l'Angola. L'Angola fait partie du problème. L'Angola pompe notre pétrole, ça fait 28 ans. C'est des milliards de dollars. L'Angola ne cherchera jamais à résoudre rapidement, que la crise congolaise soit résolue rapidement, parce que nous allons traîner l'Angola devant des cours internationaux de justice, la Cour internationale de justice, parce que ce que l'Angola fait, c'est du pillage, c'est de l'occupation financière et économique. Donc nous n'allons pas accepter. Kabila fait partie du problème. Pourquoi Kabila a placé Félix Tshisekedi comme président, en sachant que Félix Tshisekedi a joui d'un faible leadership? Félix Tshisekedi n'allait pas. Kabila savait que Félix Tshisekedi n'allait pas résoudre le problème congolais. D'ailleurs, Kabila savait que Félix Tshisekedi va accentuer le problème. Aujourd'hui, Kabila sort comme le messie. Moi, je ne trouve pas. Le problème viendra, par exemple, il faut appeler les gens comme Martin Fayulu, Denis Mukwege. Et la solution, la meilleure des solutions, viendra lorsque nous allons appliquer les rapports mapping. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi fait le choix d'un tribunal transactionnel au lieu des cours internationaux, d'un cours international pour le Congo? Là, ça va permettre que même les étrangers qui sont cités dans les rapports mapping soient interpellés. Pourquoi Félix Tshisekedi cherche le tribunal transactionnel? Merlin, vous voulez assez là, l'ONU, la MONUSCO, mais là déjà, on apprend le déploiement des troupes angolais. Madame, un savant ou un homme d'État dit ou disait ceci: aucun pays peut résoudre, trouver solution à ses problèmes en surmilitarisant son territoire. Nous avons l'EAC, 6 armées. Maintenant, l'Angola arrive. Nous avons la MONUSCO. Les armées qui ont les branches composantes de la force régionale de l'EAC sont ici sous d'autres formes. Par exemple, l'armée ougandaise sont ici en mutualisation des Fox. L'armée burundaise, il y a 6000 militaires burundais dans le plateau d'Ouvira. Donc ici, le problème, Félix Tshisekedi a accentué, a créé plusieurs problèmes. Je me pose même la question, après, si demain, on demandait à Félix Tshisekedi de faire partie de tous ces gens-là, il va faire comment? Parce que nous avons de mauvais souvenirs ici. Quand Moussé Laurent Désiré Kabila avec la FDL, ils sont arrivés à Kinshasa, quand Moussé a demandé à ces gens-là de rentrer, la guerre de Kivu, la guerre du Congo de 1998 a éclaté. Est-ce que Félix Tshisekedi a tiré les leçons du passé, de 1998. Donc moi, je crois que la solution ne viendra pas en surmilitarisant le pays. La solution viendra, comme je venais de le dire tout à l'heure, par la conscience congolaise, la conscience collective. Et je demande aux Congolais, surtout à la population, au peuple congolais, là où la classe politique a échoué, l'intellectuel a échoué, la solution ne vient que du peuple, de la population. Que la population congolaise prenne conscience de l'enjeu, du danger qui court le pays. Et la population congolaise doit faire ce qu'on appelle en sciences politiques la réappropriation de la nation. Les Congolais doivent réapproprier leur pays. Merci beaucoup, Merlin. Vous parlons au processus électoral. Pensez-vous réellement qu'il y aura une élection dans ce pays? Techniquement, non, mais juridiquement, je crois que oui, parce que c'est une exigence constitutionnelle. Techniquement, non, parce que Félix Tshisekedi et Kadima se sont arrangés pour tout bousiller. Tout bousillé. Ils ont créé des tohu-bohu pour qu'il n'y ait pas seulement élection. Même l'insécurité dont nous venons de parler, c'est créé par Félix Tshisekedi pour des fins électorales.
Imaginez-vous, Félix a fait appel le 12 février 2019 au M23. Posez la question à Félix Tshisekedi. Le M23 représentait quel danger? Le M23 avait brandi quelle menace? Le professeur Mbatab disait en français, quand un professeur parle en français, ça dit de mesurer l'emploi de chaque mot. Il n'a pas dit sur demande du M23, il a dit nous avons invité le M23. Donc Félix Tshisekedi, il s'est réveillé un bon matin, il a lancé une invitation au M23. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est incapable de nous dire quels sont les engagements que lui, il avait pris avec, vis-à-vis du M23 pour qu'aujourd'hui le M23 reprenne les armes. C'est là que nous allons résoudre les problèmes. Mais Félix Tshisekedi nous dit, bon, ce que Félix Tshisekedi nous dit, c'est seulement le Rwanda. Le Rwanda nous attaque via le M23, mais lui, il avait reçu le M23. Il n'y a pas que ça. Le président de la CENI, Denis Kadima, l'a dit au cours d'une émission avec Jean-Marie Kassamba, qui s'est posé un problème de financement. Mais je vous ai dit, c'est préparé, c'est organisé, c'est voulu. Donc c'est l'Union sacrée qui ne veut pas. L'Union sacrée ne veut pas des élections. L'Union sacrée cherche comment pérenniser Félix. Vous allez vous souvenir, l'UDPS disait, ils vont rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc ils sont en train de créer des manœuvres dilatoires pour qu'il n'y ait pas d'élection. D'ailleurs, madame, parlons de ces élections. Moi, je ne crois pas aux élections. Moi, je crois plutôt au soulèvement populaire ou à une révolution. Comment? Mais à la conscience populaire. Madame, la révolution s'est définie comme le changement brusque d'un système politique. Le système politique congolais depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui a montré ses limites. Nous avons connu des élections dans ces pays, plusieurs élections d'ailleurs. 1960, Lumumba s'est retrouvé premier ministre via des élections. Parce qu'il a eu la majorité au Parlement. Cette majorité a élu Kasavubu président. Je ne parle pas du forum, je parle des élections. Mobutu a organisé voter vert, voter jaune ici. Nous avons connu 3 cycles électoraux avec des tricheries en grande échelle jusqu'à ce que nous avons eu en 2018 un voleur et un RSLR. Mais qu'est-ce que ces élections ont apporté pour le développement du Congo? D'ailleurs, à chaque cycle électoral, nous reculons. Donc les élections n'est pas une solution, pour le moment, n'est pas une solution pour le Congo. Nous avons connu des rébellions, jusqu'à ce qu'une rébellion chasse tout un régime de 32 ans. Mais tout de suite après, il y a eu des crises, il y a eu des conflits partout. Mais nous avons connu aussi des coups d'État, Mobutu l'en a fait. Nous avons connu des coups d'État constitutionnels avec Mobutu, Kabila et Tshisekedi ici. Mais tout ça, ça n'a rien résolu au problème congolais. C'est qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités, se réapproprier leur nation, racheter leur souveraineté et tracer, définir de nouvelles lignes de conduite. Vous allez voir que le Congo va aller de l'avant. Merlin, vous regardez tout ce que nous voyons. Croyez-vous à Denis Kadima, l'actuel président? Donc déjà, Denis Kadima, la manière dont il a été désigné président de la CENI, il y a un principe français qui dit que lorsque les prémices sont mauvaises, il y aura pas, la suite ne sera pas bonne. Kadima est arrivé à la tête de la CENI sur base de la tricherie. Regarde le membre de la CENI, la manière dont ils se sont retrouvés à la plénière. Qui, dit tout le monde ici, n'a jamais été désigné par les CID. Didier Manara, jamais désigné par le PPRD. Posez-vous la question, ils se sont retrouvés à la CENI comment? Donc déjà, c'est un conglomérat des aventuriers, excusez-moi les termes, des aventuriers, des rachetés, des achetés, des débauchés. Alors, ils vont faire allégeance à leur chef, à ceux-là qui les ont débauchés. Moi, je dis ceci. Moi, je demande aux Congolais de sortir définitivement dans la rue, de descendre dans la rue, d'inonder la rue, le riz de la République, afin de changer les choses. Parler des Kadima, c'est perdre le temps. Parler des élections, c'est perdre le temps inutilement. Nous allons organiser l'élection pour résoudre quelle crise. Parce que Kadima est là, il va tricher pour Félix Tshisekedi. Déjà, à Kabound, ils nous ont dit, tous ici, qu'ils ont 150 députés préparés. Vous ne voyez pas que le matériel électoral d'enrôlement circule ici comme des arrachés. Des cartes vierges, des cartes d'électeurs vierges, des fiches d'identification. Des machines, des ordinateurs de la CENI
à vous compter sur ces élections. Les élections qui vont être organisées par les cousins de Félix Tshisekedi, vous comptez sur ça. Au moins que nous puissions être voilés. Moi, je suis clair, moi, je ne compte pas sur ces élections. Monsieur Merlin Vouvou, aujourd'hui, la vie est devenue intenable en République démocratique du Congo. Est-ce que cela est dû à la dépréciation de la monnaie locale ou par manque d'une bonne politique au public des productions? Non, madame. Premièrement, par manque d'une bonne politique publique. Deuxième élément, parce que nous sommes dirigés par un cartel. Cartel de la frappe. Vous savez, les cartels, ceux qui nous suivent, savent ce que c'est un cartel. À Ménédine, il y avait un cartel qu'on appelait cartel de Ménédine de Pablo Escobar. En Italie, il y a ce qu'on appelle la mafia napolitaine. Au Mexique, il y a ce qu'on appelait la mafia de Gudono Chavez. Ici, nous sommes dirigés par le cartel de la frappa. Cela veut dire quoi? Vous avez suivi ici Félix Tshisekedi dire publiquement que nous avons atteint 5 milliards de dollars de réserves d'échange. Mais que sert le réserve d'échange? Les réserves d'échange en économie servent d'alignement économique. L'alignement économique veut dire en français facile, pas technique, la stabilité monétaire. Or, la stabilité monétaire est conséquence de l'exportation. Or, pour exporter, il faut produire. Nous produisons quoi? C'est là que j'ai dit, nous sommes dirigés par un cartel de la frappe parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la stabilité monétaire, pourquoi qu'il faut... Troisième élément, notre monnaie, nous devons la rendre commerciale. Or, pour rendre notre monnaie commerciale, nous devons produire. Félix Tshisekedi est allé mentir au Sénégal, forum sur l'agriculture. Comme d'habitude, comme toujours, il dit que le pain, les 10% de pain consommé au Congo, ces pains sont produits par les maniocs, les farines de manioc. Madame, nous sommes à Kinshasa. Vous avez déjà consommé ces pains-là produits par les farines de manioc, sur base de farines de manioc. Donc, Félix Tshisekedi... 10% simplement. Oui. Félix Tshisekedi, d'abord, même les 10% n'existaient pas. Il a fait monter le mensonge. Faire prendre le mensonge à un avion et aller mentir au Sénégal, au niveau international. Donc, en fait, Félix Tshisekedi n'a plus peur de mentir. La vie est devenue intenable parce qu'ils ont vendu 60% des Bukanga Lonzo pour cultiver les cannabis d'Odiamba. Et ces rapports se trouvent sur la table de Mbosso. Mbosso était capable de soumettre ces rapports à la plénière parce qu'il s'agit de l'union sacrée. Mais on nous a vanté ici, Service national, Général Kasson Kabiyoko, les baptisait. Où sont les maïs produits à Kanyamakassi? L'haricot. Où sont les produits à Kanyamakassi? Vous savez, mentez, il en restera quelque chose. Voilà là où la vérité triomphe toujours. Mais moi, je vais donner deux conseils à Félix Tshisekedi. Il n'a jamais fait tard pour mieux faire. Il n'a qu'à relancer l'agriculture. Le Congo doit produire vite pour amortir la crise. Le Congo doit produire. Félix Tshisekedi doit cesser à faire recours en planche à billets parce que c'est l'une des causes de l'inflation et de la dépréciation de notre monnaie. Félix Tshisekedi doit cesser de mentir que nous avons un réserve d'échange. Nous n'en avons pas, c'est virtuel. Maintenant, là, les choses sont claires. Pour finir, parlons de la ville de Kinshasa. Nous avons vu les gouverneurs de la ville de Jean-Tony Ngobila démolir les marchés centrales. Ensuite, il y a eu démolition générale. Quid de la gestion générale de Kinshasa? Madame, la ville de Kinshasa, il faut voir comment Jean-Tony Ngobila s'est retrouvé gouverneur en achetant la conscience des députés provinciaux de Kinshasa. Avec 70 000 $ chacun. Moi, Mike Moukebaï, quand je dis moi, Mike Moukebaï, les gens vont dire, oh, parce qu'il est de l'opposition. Non, Jean-Tilly Lessem, Moukebaï n'a jamais pris ses 70 000 $. D'ailleurs, Jean-Mike Moukebaï, son candidat s'appelait Deo Kassongo, le patron de Showbiz. Deuxième élément, la ville n'est pas gérée parce que les députés provinciaux sont allés prendre les crédits bancaires chez Afriland Bank de 100 000 $. Toujours moi, Mike Moukebaï, qui n'a jamais touché à cet argent. 100 000 $ à chacun. Madame, savez-vous qui paie, qui rembourse cet argent? C'est la ville de Kinshasa. Crédit privé, mais remboursé par l'argent de l'État. Troisième élément.
Les députés provinciaux sont allés prendre les crédits véhicules Jeep à Sokin chez Abed Achou à 70 000 $. Madame, savez-vous qui rembourse cet argent? C'est toujours la ville de Kinshasa, des véhicules privés. Mais Gentili rembourse. Comment voulez-vous que l'État, la ville, puisse trouver, avoir les moyens? Troisième élément, Gentili Ngobila crée une dynamique appelée Gentili Ngobila. Qui gère cette dynamique? Pasteur Godepoy, entre guillemets pasteur. Parce que moi, je ne crois pas que ce type-là est pasteur. D'ailleurs, moi, je l'appelle tout simplement Godé Bankoulé. Il gère un groupe WhatsApp dénommé Dynamique Ngobila où 38 députés font partie. Et chaque député a 4 000 $ le mois. La ville de Kinshasa. Gentili Ngobila démolit le marché central, envoie 33 000 Kinois au chômage. En violation de l'article 34 de la Constitution, parce que la démolition n'est pas l'œuvre de la ville. La démolition, c'est au niveau national et est exécutée sur base d'une décision de la justice. Gentili Ngobila démolit le marché central, c'est une décision de la justice. Il a fait des démolitions ici, c'est une décision de la justice, toujours en violation de la... Pour assainir la ville. Non, la ville de Kinshasa n'est pas construite, madame. La ville de Kinshasa a 9 000 km². La ville habitée est... La ville habitée, la ville de Kinshasa est habitée à 20%, donc, c'est-à-dire à 18%, ça veut dire 2000 km² habités. Savez-vous Kingakati a combien de km². Kingakati a 2000 km². Donc Kingakati seul représente la ville de Kinshasa habitée. 7000 km n'est pas habité de la ville de Kinshasa. Comment assainir la ville? Là où Gentili, c'est là que j'ai dit que Gentili Ngobila est une malédiction pour la ville de Kinshasa. Il devait commencer par étudier l'ancien plan urbanistique. Parce que la ville de Kinshasa, quand le Belge léguait cette ville aux Congolais, la ville de Kinshasa avait 160 égouts, donc des collecteurs souterrains. Des collecteurs souterrains d'eau. 160. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. La ville de Kinshasa avait un plan urbanistique créé en 1962. Ça fait 61 aujourd'hui. Ce plan a monté ses limites parce que la ville, la projection maximale était de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 17 millions. La solution, c'est de créer un plan d'aménagement de la ville, un nouveau plan urbanistique et de créer une nouvelle ville. Déloger cette ville, créer une nouvelle ville urbanisée, après recréer encore une ville dans l'ancienne ville, vous allez voir que les choses vont aller vite. Mais Gentili Ngobila est dans ce qu'on appelle le poudrosier. La ville n'est pas gérée. Mais l'argent de la ville maintenant. Savez-vous que le chef de brigade, Kinibopeto, celui qui doit organiser la propriété de la ville de Kinshasa, est impayé pendant 19 mois. Rendez-vous compte? C'est lui qui va organiser, qui doit organiser l'assainissement, la propriété de la ville de Kinshasa, est impayé pendant 19 mois. Trois derniers éléments que je vais dire. Savez-vous que le ministre provincial de la ville de Kinshasa, provincial de finances de la ville de Kinshasa, a 90 maisons à Kinshasa. 15 à Massina. Ça n'a rien à voir avec la gestion. Mais comment est-ce qu'il a acquis toutes ces parcelles? Comment? Avec quel argent? Avant, il travaillait où? Il était agent à l'OGFREM. Soit on doit enquêter l'OGFREM. Donc son salaire à l'OGFREM lui a permis d'acheter 94 maisons. Si quelqu'un a l'argent à investir dans le MIR, c'est qu'il a combien en poche? L'argent investi dans le 90 MIR, c'est qu'il a combien? Savez-vous que ce monsieur-là, Jean Goyevouzi, donne 5 000 $ par semaine à son enfant, un enfant de 14 ans? Et on lui pose la question, il dit... Vous avez des preuves. Mais je vous dis, lui-même a dit à un journaliste que son enfant aide aussi les pauvres. Donc son enfant est devenu philanthrope. Savez-vous que ce monsieur-là, M. Jean Goyenfouzi, le ministre provincial des Finances, gère 127 ONG et mouvements associatifs. Il débourse 2 500 $ le mois par mouvement et ONG. Où il trouve cet argent? Et j'ai appris, j'aurais appris que ce monsieur allait être arrêté il y a 2 semaines. Pour quelle raison?
détournement, mauvaise gestion des finances publiques. Lui, il doit être arrêté rapidement d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est toujours libre. Et quelqu'un a déboursé 50 000 dollars, madame. Et l'affaire a été gérée au niveau de la maison communale de Massina. Grave. Alors, vous dites que vous voulez gérer une ville. Au regard de tout ce que je viens de dire ici, cette ville est gérée. Et je comprends que pour que Gentiline Ngobila soit gouverneur, il fallait que Félix Tshisekedi soit président. Parce qu'au cas contraire, Ngobila ne peut même pas être chef des riz. Ça, je vous assure. Regarde comment est-ce qu'il est en train de gérer l'environnement ici. Avec une gestion circonstancielle. Or, la gestion de la ville, la gestion de la République doit être programmée. C'est programmatique. C'est organisé, préparé. Kinboupeto n'a pas été programmé. Madame, est-ce qu'on peut rendre un chantier propre? Je vous ai dit que la ville n'est pas construite. La ville n'est pas construite. La ville de Kinshasa est un chantier. On peut rendre propre un chantier. Conséquence, il y a des poubelles partout. Il est incapable de faire valoir cette propriété. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un chantier. Les Kinois doivent le savoir que nous vivons dans un chantier. Il faut une bonne politique. Regarde devant l'hôtel de ville, il y a une rivière appelée rivière Ngobila. Devant l'entrée de l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, les chasses d'eau des toilettes ne fonctionnent pas. Les chasses d'eau des toilettes ça, ne fonctionnent pas. C'est depuis Kimbuta. Ah donc, Gentiline Ngobila est sale comme Kimbuta, c'est ce que vous voulez dire. Si Kimbuta était sale, Gentiline Ngobila avait nous démontré que lui aussi il est sale. C'est ça. Mais Kimbuta n'avait pas créé des restaurants et des bistrots de bière à l'hôtel de ville. Gentiline Ngobila l'a créé. Chaque jeudi, on vend les bokeh angoulou à 8 000 francs là-bas à l'hôtel de ville. Mesir à whisky à l'hôtel de ville à 10 000 francs. Ça, c'est Gentiline Ngobila. Des drapeaux ACP partout à l'hôtel de ville dans un bâtiment public. Vous dites que c'est Kimbuta. Donc, madame, vous allez comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un accident de l'histoire. On doit faire trop vite pour fermer cette page. Félix Tshisekedi, sinon la République va disparaître. Merci beaucoup, Merlin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était face à la caméra. Un message à toutes les personnes. Le message, c'est aux Congolais. Je vais continuer à rappeler aux Congolais ce que Rousseau a dit. Lorsqu'un peuple est incapable de défendre ses droits et ses libertés, ce peuple-là est bien préparé pour être esclave. Alors moi, je dis aux Congolais, je les regarde en face. Je ne peux pas croire même pendant une seconde que vous, nous, Congolais, nous avons été créés pour être esclaves. Démontrons à la face du monde que nous sommes un peuple capable de sauver et de défendre notre intégrité territoriale. C'est toute notre souveraineté, parce que cela vaut de notre respect et dignité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci.